Le père Félix Antoine Tshisekedi, une école construite dans les groupements de Benchimomo, précisément dans les territoires de Mia, secteur de Kakangaï. Je demande aussi au gouvernement central, le ministre provincial, de s'engager pour l'ouverture de ce bâtiment que vous voyez. Il y a une mauvaise condition que les enfants profitent de la matière. Ils s'étudient encore dans des hangars comme ça, ça sonne mal. C'est pourquoi nous demandons aussi d'appui que le gouvernement prépare d'abord l'avenir de ses élèves, parce que ce sont les futurs fatigues que nous aurons. D'abord, avec cette condition, ça dérange trop. Quand il y a la pluie, les enfants manquent comment profiter de la matière. On ne parviendra pas à finir les programmes nationaux si les enfants ne seront pas dans ce bâtiment que vous voyez. Député, ministre, ma gouverneur, ma première dame, nous conditionnons les bikers à Bamongé. En tout cas, tout le monde, implication personnelle, offre moi dit Félix Antoine Tshisekedi. Bâtiment où il y a un centre communautaire de Miabi. Albert, quand on dit tout le monde, chacun, c'est depuis 2022, au débat centre communautaire. Jusqu'à ce jour, blocage, nous aucun bâche qui nous guérit. Nous sommes tous les gens. Mais nous sommes tous les gens qui nous font un peu de vie. Nous sommes tous les gens qui nous font un peu de vie. Il y a une mémoire. Nous sommes soit un conflit, yani, catholique à diriger, à prendre la charge, soit de l'État. Mais là, tout le monde est habitué à nous. Tant que CPC, et tant qu'il n'y a pas de communicateur privé du chef, quand nous sommes censés parler. Nous sommes censés parler. Nous sommes censés parler. Nous sommes censés parler. Et puis, nous mettons province, nous sommes censés parler. Nous sommes censés parler. C'est un grand recours pour moi de voir nos enfants étudier dans des conditions pareilles, aussi longtemps qu'il y a un bon bâtiment en face. Ce bâtiment est déjà construit depuis 2022. Nous demandons l'implication personnelle de son excellence Félix Antoine Tshisekedi du Parti Beto, CPC à travers son coordinateur national David Douma, lance l'appel aux autorités compétentes d'intervenir avec des conditions pareilles. C'est inacceptable.